Bonjour à tous. Je sais pas pourquoi tout a sauté, mais j'avais dit avant. Bon, bref. Aujourd'hui, on va jouer à Going Medieval. Je considère qu'on a à peu près fini de jouer à Timberborn. On a découvert tout ce qu'il y avait dans le dernier update. Donc, on va tester un autre jeu, donc Going Medieval. J'y ai déjà joué il y a quelque temps. Est-ce qu'on peut voir mes dates? C'est celle-là, la vraie partie. Donc, il y a un peu moins d'un an. Et donc on va découvrir le contenu du nouveau patch. Donc c'est un Rimworld-like, donc un jeu de gestion et de stratégie, où on gère une petite colonie de peu de monde, et on va devoir survivre donc aux famines et à des invasions de méchants, plus ou moins forts. Mais celui-là, contrairement à Rimworld, c'est que Moyen-Âge. Et il y a aussi le fait que ça sera en 3D et pas sur un plan en 2D. Donc on va pouvoir faire des souterrains et on va pouvoir aussi faire des tours. Donc on va jouer en standard, mode de difficulté normal. Non, on va mettre une nouvelle vie, donc le mode de base. Donc on commence avec du bon matos et puis quelques colons et des ressources. Donc mode par défaut, parce que le jeu peut être assez difficile tout de même. On va prendre une carte grande, c'est généré de façon aléatoire. Est-ce qu'on se mettrait pas en montagne? Donc montagne, versant. Les deux sont intéressants. J'ai pas envie de faire en plaine. On va se mettre en montagne. Donc le nom de la colonie, on va mettre comment ça s'appelle? Helm. Helm, le gouffre de Helm. Le logo, on va prendre sur fond blanc. Non, c'est dégueulasse. Bon, fond rouge. Attendez, parce que là, c'est pas clair. Sur fond rouge. Motif. Il monte tout ça. Là. Du noir. Juste comme ça, tiens. Un petit symbole. Là, il y en a beaucoup trop. Je veux pas autant de symboles que ça. C'est cosmétique, mais comme on va le garder toute la partie, j'ai envie de mettre un truc pas mal. On va mettre. Ça, on va virer le char, on va virer l'étoile, on vire tout le surplus. On va mettre une grosse épée blanche. Voilà. Et on va mettre un chien. Comment on fait? Ce qu'on va faire, c'est que ça, on va la mettre devant. Et le. C'est un chien ou un dragon ça? Le classico, mais on va mettre celui-là, tiens. Et on va le mettre. Si je le mets blanc, ça fait peut-être bizarre. Non, ça va. Non, faudra pas le mettre blanc. On va le mettre un peu. Ah, bah, il y a plus blanc. On va le mettre blanc et l'épée, on va la mettre grise. On va la réduire un peu. Oh non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la réduire un tout petit peu et on va la déplacer en hauteur. Voilà, comme ça. Ah, c'est joli. Voilà. Donc, montagne. Donc, les hivers sont rudes et les étés sont doux. C'est plutôt sympa. Et puis voilà, on va tester comme ça. Donc là, il va falloir créer nos trois petits colons. Donc qu'est-ce qu'il a lui? Fort au corps à corps. Un L, Isabelle. Dressage d'animaux, intellectuel. Pas forte en médecine. Intéressant. On va voir ce qu'ont les autres. Très fort en extraction aussi. On a des bons stats. Hein. Wow. Ouais, fort en tireur, mais je comprends pas.
Et fort au corps à corps, mais il aime pas ça, et fort en tireur aussi. C'est tueur, ça. Ah oui, ils ont tous. Oui. En construction, par contre, il va y avoir un problème. Hein. C'est ce personnage-là qu'il faut que je leur change parce que. Les autres, ils sont déjà très très forts à beaucoup de choses. Par contre, le défaut, poids léger, blanc comme neige. Il aime bien le froid, donc c'est bon. Il s'épanouit dans le froid. Il ne tient pas vraiment l'alcool. Quoi? Ouais, il aime le froid et il aime le soleil, ce qui est un peu contradictoire. Hein. Enfin, il aime le froid et le chaud. Et en même temps, il aime pas le froid et il aime pas le chaud. Ouais, c'est. Il est très puissant, lui. On va le garder comme ça. Il y a beaucoup de stats forts et des stats qui pourront devenir forts. Lui, il est très fort aussi. Ouais, il est glouton, par contre. Pas écrit qu'il mange plus. C'est juste écrit qu'il mange plus lentement. C'est pas grave. Ou plus vite. Non, plus lentement. Le prince des sceaux aussi, ensoleillé. Il aime le soleil, oui. Résistant à la chaleur. Il est sympathique. Stupide. Ah oui, bon, là, faut la randomiser, elle. Si elle est stupide, c'est pas la peine. On randomise. Pas beaucoup de stats, ça. Non, pas beaucoup d'étoiles non plus. Ah, là, ça me plaît déjà un peu mieux. Parce qu'il me faut un constructeur. Et est-ce que j'ai quelqu'un en botanique? Non. Est-ce que ça va falloir planter des graines? Grossière. On va changer parce que c'est pas top du tout ça. Sévère. Merde ça. Ouais, mais ça va le rester. Je reste très bien. Extraction, c'est intéressant. Botanique, c'est bien. Construction, elle est pas très forte, mais elle va pouvoir monter très vite. Donc ça va pas être trop mal. Je pense qu'on va rester comme ça. Elle a beaucoup de choses qu'elle aime, donc ça va se faire. Ils sont tous intelligents. J'ai deux qui pourront devenir des bons tireurs, dont un qui l'est déjà. Et autrement, ce sera un peu corps à corps, mais ça devrait le faire. En cuisine, lui, il est bon, donc il fera des plats plutôt bons. Alignement religieux, ils sont pas trop fanatiques, donc ça devrait le faire. Ils n'auraient pas se bagarrer. L'âge, ouais, bon, ils sont tous un petit peu vieux. Hein. J'espère qu'ils vont pas bientôt cloquer. C'est quel âge qui claque? Est-ce que je peux leur... On va les rajeunir. Hein. On leur met un petit coup de jeune. Parce que là, s'ils sont vieux, je vais pas passer 3 heures à la création non plus. J'aurais pu faire un petit coup de mage. Voilà, comme ça, ils vont survivre. Et on va partir comme ça. Autrement, demain, on y est encore. Hein. Go! Donc on va commencer notre petite colonie. Donc le but, ça va être de... faire une petite base déjà pour qu'ils puissent dormir les premiers jours assez rapidement. Ensuite, il va falloir commencer à voir pour la nourriture. Donc, si on peut faire de la culture assez rapidement ou s'il nous faut des graines, je me souviens plus. Il va falloir aussi commencer à prévoir la défense parce qu'on va se faire attaquer régulièrement et si on ne peut pas se défendre, ben, on va mourir. Donc, ça sera pas top. Et ensuite, ça a planté là? Si ça a planté, ça va m'énerver. Parce que ça veut dire qu'il va falloir recréer les personnages. Je crains que ça ait planté. Ah non, ça n'a pas planté, c'est bon. J'ai eu peur. Donc, il va falloir se défendre, parce qu'on va se faire attaquer par la faune sauvage, mais aussi par des brigands, voire même
d'autres petits pays qui vont nous attaquer avec des catapultes, etc. Donc ça va être difficile. À terme, on fera un château fort, mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là du tout. Et donc, on va commencer. Donc, de base, le jeu, ça se présente comme ça. Donc, comme un RimWorld, on est vu du dessus, mais on est un peu, on est en 3D. Donc, ça veut dire qu'il y a, comme on peut voir ici, il y a des reliefs, il y a des différents niveaux. Et maintenant, la nouveauté de ce patch, c'est qu'il y a de l'eau. Avant, il n'y avait pas d'eau. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner, si ça empêche vraiment les ennemis de passer dedans, si ça les ralentit, s'il faut que mes gens boivent, si. Je sais pas trop comment ça va se passer. Nourriture, il n'y a pas l'air d'avoir. Non, il y a besoin d'alcool, il n'y a pas l'air d'avoir besoin d'eau. Donc, ça devrait pas être nécessaire. Par contre, je suis très déçu de la carte. Je pensais qu'il y aurait vraiment une montagne, mais en fait, non. C'est juste que tout est montagneux, tout est pourri. Et donc, pour l'agriculture, bah, ça va être restreint. Bon, il n'y a que ça que je vais pouvoir faire de l'agriculture. Visiblement, c'était pas du tout le bon choix. À tel point que je me demande même si je vais pas reset, parce que là, si je veux faire de l'agriculture, ça risque d'être très compliqué. Zone. J'ai pas encore débloqué l'agriculture, il faut le débloquer. J'avoue que c'est la surprise, ça. Parce que là, ça va pas pousser, si. Que je peux avoir l'info. Non, j'ai pas l'info. On va supposer qu'on va pouvoir faire de l'agriculture sur du terrain pourri. Donc, il y a beaucoup de niveaux différents. C'est pas pour nous arranger en fait. Où est-ce qu'on va faire notre base? Parce que c'est pas comme RimWorld. RimWorld, on se dirait, ouais, là c'est bon, il y a une montée donc les ennemis attaqueront pas par là. Mais en fait, si, là ils peuvent. En fait, on s'en fout complètement des montées. Ça va juste me compliquer la vie à moi, c'est tout. J'ai vraiment envie de reset, hein. J'ai pas envie de partir là-dessus. Est-ce que je peux le sauvegarder? Non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder. Bon, non, il y a déjà la sauvegarde. Et on va voir si on peut pas un départ plus intéressant, parce que là j'avoue que je suis déçu. Je n'avais pas testé cette forme de départ. On va appeler ça de la même façon. On va plutôt se mettre en versant. C'est peut-être plus intéressant. Oui, bah oui, ça s'appelle déjà. Gouffre de Helm. Je sais pas si ça s'écrit comme ça, Helm. Bon, là c'est nul, hein. Ça c'est nul aussi. Tout le groupe est nul. Alors, c'est nul. Il y a que lui qui tient la route. Ça c'est nul. Ah, c'est intéressant. Lui. Gourmand. Main verte. On la rajeunit un peu. Elle aussi, on va la rajeunir. On les rajeunit tous. Je vais retirer gourmand, parce que j'ai pas envie. Hein. Gourmand, ça va me casser les testicules. Lui, il a la main verte, ça serait bien qu'il ait. Voilà. Il ait ça. Qu'il aime le faire. Et qu'il a la main verte. Ouais, ça, c'est pas grave, on s'en fout. Là, on va lui mettre qu'elle aime l'extraction, parce qu'elle est très forte là-dedans. Elle aime la botanique un peu aussi. Elle est vraiment, vraiment très douée, celle-là. Elle. Non. Donc qu'est-ce qu'il va nous falloir? Il va nous falloir. Médecin, on a. Il faut quelqu'un pour compléter. Ouais, les tireurs, mais. J'aimerais bien avoir mieux.
Nul. Nul tout ça. Non. Ah. On va la booster. Cuisine, on n'a pas besoin de tant que ça. Confection, on s'en fout. Forge, on s'en fout. Je vais lui mettre qu'elle aime bien la menuiserie, un peu. Lent, non. Pas paresseux. Hédoniste, on s'en fout. Contemplative, c'est de la merde. Ça. Endurant au froid, oui. Voilà. Bon allez, on va partir là-dessus. En espérant avoir une génération de map un peu mieux, parce que celle d'avant, j'avoue que je me sentais pas de faire toute une partie de 20 heures là-dessus, quoi. Donc on va voir si c'est mieux. Ça refait semblant de planter, c'est toujours intéressant. Parce que là, avec les montagnes, n'avait pas de protection pour autant. La rivière était petite et placée très proche. Il y avait plein de reliefs partout qui m'auraient fait chier pour construire mes maisons et surtout mon agriculture dès le début. Pas assez de terrain plat pour le début, ça allait vraiment compliquer l'histoire. Là, on va voir si c'est un peu mieux avec un versant plutôt qu'une montagne. Donc là, c'est le lore. Hein. En fait, il fuit une peste parce que ça a ravagé les îles britanniques et tout. Ils s'enfuient et ils essayent de coloniser, quoi. En gros, c'est ça. Et on va voir ce que va donner la carte. Même si je pense que ça va être à peu près pareil que l'autre. Avec plus de verdure. Oui, plus de verdure déjà. Donc là, c'est déjà beaucoup plus intéressant. On a un bon espace pour faire quelque chose. La rivière aussi est plus intéressante. Et on n'a pas... Ouais, la génération est pas... Enfin oui, là, il y a une montée. Là, c'est plus haut, en effet. Mais bon, ça reste pas vraiment un versant comme je l'imaginais. Hein. On va faire avec ça. C'est déjà beaucoup plus jouable. Non, transport d'urgence, non. Donc là, il faut que j'autorise mes gens à prendre les choses dans le coin, autrement ils vont rien pouvoir faire. Donc on commence avec 3 personnes, 2 chèvres, un chat. Les stats, ils sont où les stats? Là, ici. Donc qui est tireur? Donc elle est tireur, donc elle va prendre l'arc long. J'ai une lance et une épée courte. Qui est le meilleur bretteur? Corps à corps, lui. Donc tu vas prendre l'épée courte. Et toi, tu vas prendre la lance. Ça, ils seront équipés. Ah non, il y a un arc. Toi, tu vas prendre ça. Et toi, tu vas prendre ça. J'avais pas vu qu'il y avait un deuxième arc. Donc voilà. Et tu vas prendre aussi le petit bouclier, toi. Donc voilà, comme ça, ils sont équipés. Ensuite, on va leur dire de commencer à construire. Mais d'abord, il va falloir gérer les priorités. Parce que comme dans RimWorld, on leur dit pas quoi faire. C'est on leur dit quels sont vos métiers prioritaires. Et ensuite, ils feront leur métier. Convalescence, priorité. Transport, non. La chasse, pour elle, oui. Construction, priorité. À tout le monde pour le début, après on verra. Botanique si, récolte aussi, on réglera plus précisément plus tard. Parce que là, je leur mets priorité haute partout, mais en vrai non, ce sera pas si haut. La cuisine, lui non. Fabrication, non. Forge. Non, menuiserie. La recherche.
Attendant, priorité. Transport, non. Ah, c'est le transport urgent, ça. Oui. Transport urgent, on va le mettre en priorité. Et le transport normal, pas en priorité. Donc, pour l'instant, ce qu'on veut, c'est des constructeurs. Parce que là, ce qu'on va faire aussi, là, donc là, c'est pour gérer les heures de travail, comme Rimworld. Là, c'est leur matos. Et ça, c'est l'inventaire de tout ce que j'ai dans ma colonie. Donc, pour l'instant, on a des repas. Repas emballés. Des choux et des bières. On va commencer à construire un petit quelque chose. À peu près au milieu de la map. Ouais, par ici, on va pas être trop mal. Il va nous falloir de quoi dormir. On va faire... si je fais ça, ça va suffire pour mettre 3 lits dedans. En grandeur. On va mettre une porte. Voilà. On essaye de centrer, évidemment. Autrement, c'est pas joli. Des murs en bois. Voilà. Et un petit toit en foin. On en a du foin. Oui, on a du foin. Donc on mettra un toit en foin. Je vais faire pas afficher entièrement le toit, parce qu'autrement je vais rien y voir. Ensuite, il va falloir 3 lits. Ils sont où les lits? Normalement, ils sont là-dedans. Zone de couchage, foin. Oui, oh, super. Ça, c'est du lit haut de gamme. 1, 2, 3. Voilà. Comme ça, ils auront de quoi dormir rapidement. La température, est-ce qu'on y a accès? On va essayer d'écrire en haut à droite la température 3 degrés, donc oui, ça va être intéressant de faire cette maison. Est-ce qu'ils font le travail? Non. Pourquoi? En construction sans priorité, donc ils vont le faire. Là, ils font leur dernière ronde de déplacement et normalement, voilà. Donc ils vont faire ça. Ensuite, on va leur dire de commencer à bûcheronner un petit peu. La cueillette aussi, il va falloir la faire. Cueillir en priorité. Ce qui se mange. Et des petits champis, ça va faire un peu de bouffe aussi. Donc lequel est le moins intéressant en construction? Pour l'instant, peut-être lui qu'on va mettre en construction 2. Ça, il va faire le reste avant. La chasse, on le mettra en 2 aussi. Voilà, commence à bûcheronner pendant que les autres construisent. Donc voilà, là c'est... On dit quoi construire et ils le font sur leurs heures de travail. Des pièces mécaniques, d'accord. On a déjà des pièces pour faire des pièges. Parce que les ennemis, quand ils nous attaqueront, ça sera pas mal d'avoir des pièges pour les tuer avant même qu'ils arrivent. Pour éviter à nos gens de prendre cher. Les biquettes, ce serait intéressant de faire un enclos. Est-ce qu'on le fait tout de suite? Parce qu'il va aussi nous falloir un stockage. Stockage de nourriture. Dans l'idée, stockage de nourriture, j'aime bien le faire en dessous. Donc ce qu'on va faire, là on va laisser une case, là on va laisser une case pour l'entrée, là on va laisser une autre case pour le début, et là on va commencer à creuser. Alors je vérifie les travaux, s'il y en a un. Oui, lui il est en extraction assez avancée dans les ordres, donc il devrait le faire rapidement. Là ils ont fait leur lit et ils font le toit, et normalement le lit, il y a différentes qualités, je crois. Non. Non, peut-être pas pour les... Peut-être pas pour les lits. Pas pour ces lits-là. On peut changer la cosmétique et des petits bâtiments comme ça, mais bon, pour l'instant, on s'en fout. Voilà, donc là, j'ai mon dortoir. Qui peuvent se reposer. Ensuite, donc ici, on va faire... notre stockage.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tout petit truc. On va même... est-ce que je fais plus... Oui, il faut que je fasse plus long parce que le truc, c'est qu'il va falloir que je casse un escalier. Et l'escalier, ça prend... Ça prend 3. Donc oui, j'ai la bonne taille, c'est bon. Donc on va se contenter de ça. Le truc, c'est qu'il va falloir faire un feu de camp. Le truc, c'est qu'il faut que ça soit à l'extérieur, ça, plutôt. La table de recherche, il va falloir la faire aussi. Le feu de camp, on pourra le faire juste en fond. Ah tiens, j'ai oublié de mettre la porte. Voilà, une petite porte. Autrement, ça aurait été du gâchis de ressources. Là, on va faire un autre petit bâtiment. On va le mettre collé. Et là, on va mettre ici. Voilà, pour l'instant, ça devrait nous suffire pendant pas mal de temps, ça. Au moins pour le début. Donc là-dedans, on mettra notre station de recherche. Là, ici, on va mettre un petit feu de camp. On va le mettre pas loin de ça. Donc on va le mettre ici. Il va nous falloir brasero et tout ça, on s'en fout. Pas priorité pour l'instant. Table de marchand, c'est pareil, on s'en fout. L'enclos. Tiens, ils sont contents. Donc là, on verra plus tard. Les plantations. Bon, là, on va faire notre escalier. Il va falloir démolir. Alors, je sais plus s'il faut démolir celui-là aussi ou pas, pour qu'il puisse passer. Je crois que oui, hein. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est... Ah, quoique. Ah, peut-être pas. Ouais, mais ils n'auront pas accès. Oui, donc il va falloir le démolir, quoi qu'il arrive, je crois. Je sais plus. On verra. Donc ça va être notre stockage. Stockage de nourriture est faible, oui, je sais. Là, ça... oui, ça va être problématique. Donc là... On va le faire de ce côté-là. Ça, on va pouvoir fermer et donc avoir un meilleur contrôle sur la température. Là, on fait notre petit feu de camp pour pouvoir préparer des plats. Là, ici, on va faire pareil. Il va nous falloir un toit. Et on va mettre notre petite établi de recherche. Table de recherche. On va la mettre là. Là-dedans, on mettra le truc de dépeçage. Même si ça va être un peu serré. je pense que je vais devoir l'élargir. Oui. Parce que là, ça va pas aller après. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'élargir. J'ai mal prévu mon coup, mais c'est pas grave. Perd un tout petit peu de temps, mais je crois que les ressources se récupèrent, donc ça devrait aller. Ensuite, donc là ils sont en train de construire. On pourrait mettre des fenêtres, mais pour l'instant on va éviter le problème de température. On pourrait aussi mettre un brasero pour qu'ils aient plus chaud dans le dortoir. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Donc je crois qu'il y a un truc pour afficher mes ressources. Est-ce qu'on peut? C'est où? On peut pas avoir un inventaire rapide? Bon, ben, là-dessus, on a un inventaire rapide, mais bon, c'est pas ce que je voulais, quoi. Non, il n'y a pas de...
Voilà, là ils ont détruit. Est-ce que j'ai la clé? Je crois pas. Là c'est en train de se détériorer tout ça. Une fois qu'ils auront construit, ça ira mieux. Alors, ça, des repas ou nourriture pour animaux? Des repas. Jusqu'à en obtenir 10. Voilà, ça ils vont faire un petit peu de repas ici. Là, notre station de recherche c'est fait. Donc ça pareil, jusqu'à en obtenir 25. Mais il va falloir que cette salle soit un stockage. Ouais, j'ai oublié une case. Donc, il faut faire étendre la zone, parce qu'autrement ça va recréer une autre zone et ça va être chiant. Et effacer tout, on va juste autoriser les livres. Voilà. Ça va stocker tous les livres ici. Ensuite, donc là on a nos ressources qui sont dehors, donc ça commence à se détériorer. Il va falloir aussi faire un stockage pour ça. Où est-ce qu'on va le faire? Là j'aimerais bien faire de l'agriculture pas loin. Je le ferai peut-être à côté comme ça. En laissant un petit passage. On va laisser un passage de 3. Pour être tranquille. Et on va faire une grande pièce. Donc là 4. Donc là 5. Je rajoute 1. Et voilà. Donc ça, on aura une grande pièce. Je vais pas la faire trop profonde non plus parce que je veux que ça soit fait cette année. Et donc ça sera un stockage de tout. Par contre, priorité intermédiaire. L'autre, il faut que je mette priorité haute pour la nourriture. Pour les déchets. Parce que je pense en même temps à ma nourriture ici. Ouais, je sais plus comment on construit ça. Il faut que je fasse 2 de largeur, je crois. J'aurais pas dû détruire le truc là et j'aurais dû faire... Oui, c'est ça qu'il fallait faire. Donc, faut faire ça et ça, je crois. Puis là, démolir ici. Oui, je crois que c'est ça qu'il faut faire. Alors là, je sais plus si le truc aussi va casser ou pas. J'ai un doute. Ou s'il faut construire un sol avant. Plus. Non, je crois pas qu'il y ait besoin de construire de salle. On va voir. Donc là, tout ça, c'est bon. On n'a pas assez de bois, donc il va falloir que je redise mon petit bûcheron de récupérer du bois. Il y a ce qu'il faut ici, donc on est tranquille. Là, il continue de creuser. On va même... comment on va faire? Faut descendre, c'est ça? Parce que là, les toits, c'est un peu chiant. Voilà, on va se mettre à ce niveau-là. Comme ça, on voit le début des murs. Et on a un aperçu plus clair de ce qui est fait et ce qui n'est pas fait. Donc là, ils n'ont pas assez de nourriture pour le faire. Puis après, ils pourront creuser là. Ouais, je sais plus trop comment on creuse ici. Comment faire pour qu'ils creusent là? Voilà, après on peut aller plus profondément dans les niveaux pour voir vraiment comment on creuse. Parce que là, le but c'est de faire un souterrain pour stocker la nourriture pour qu'elle soit plus froide et donc qu'elle ne périme pas. Parce que là, normalement, la nourriture, bon là c'est pas un très bon exemple parce que c'est la nourriture de merde. Trousse de soins, là, les pactages emballés. Là, ça se dégrade normalement. Voilà, on a des facteurs de dégradation. Donc plus il fait chaud, plus ça se périme. Salut Emdal, bienvenue à toi. Bonjour, pense à mettre un sol dans la réserve. Oui, oui. C'est juste que pour l'instant, j'ai pas encore assez de bois, donc je fais d'abord les murs, après je ferai le toit. Remarque, je crois que j'ai l'impression que le toit est moins prioritaire que le sol, tant qu'il pleut pas. Donc oui, je vais peut-être faire le sol en premier. Tu as raison.
Ça semble être prioritaire par rapport au toit. On va le faire en bois. Je pourrais le faire en branchage ou en osier. Ouais, mais c'est pas beau. Bon, on va le faire en osier. Oui, bon, là, ça virait les murs, faut que je les remette, mais... Ouais, on peut le faire en osier. Ouais. En osier ou en... Calibotis, ah. Le drainage. Ah oui, ça laisse passer la pluie, protège contre le gel. Ah d'accord. Ouais, non, on va mettre en osier, ça me paraît bien. Voilà. Donc, comme ça, ils vont utiliser tous les petits branchages qu'ils laissent dehors. Là. Et ensuite, on pourra faire un toit. Pareil, il y a un toit en branchage, mais bon. Il me reste du foin. Il me reste plus tant de foin que ça. Le problème, c'est... Attends, est-ce que si je fais... Oh non, mais c'est idiot, ça. Ah, je me suis gouré, c'est... Je suis un idiot bête. J'arrête pas de faire couper les plantes alors que je veux faire récolter. Du coup, je détruis tout ce qui... toutes les ressources intéressantes. Il faut faire récolter. Et pas détruire. Terrible. J'ai détruit des arbres à baies par-ci par-là. Terrible nouvelle. Enfin, ça faisait longtemps que j'allais jouer, alors... Je m'excuserai cette erreur. Là, ils vont faire le stockage. J'aurais peut-être dû mettre une deuxième porte de l'autre côté. Tiens, ils ont fait une échelle, maintenant. Là, ça, c'est intéressant. Parce qu'avant, pour faire des tours... D'accord. Un petit renard chenapan qui est en train de bouffer mes ragoûts. Alors, les renards chenapans, est-ce que c'est intéressant à les dresser ou est-ce qu'il faut que je le bute? Je sais plus s'ils peuvent transporter les renards chenapans. Je sais que les loups peuvent transporter et que c'est ultra efficace d'avoir une armée de loups. Mais une armée de renards, je crois qu'ils peuvent pas faire grand-chose. Si je peux voir le chance d'apprivoiser l'animal, ouais. Sur motrice, ouais. Pas écrit. Il n'y a pas écrit. Moi j'aime bien. Je trouve ça beau, un renard. On va essayer de le dresser, on va voir si on a un chasseur qui va s'en occuper. Parce que là, enfin, dressage... Là, j'ai chasse, c'est où le dressage? Élevage animaux. Ouais, ils le feront jamais. Ils ont toujours terminé dans ma réserve. Ah oui, les renards, tu les bouffes. Ouais, ça fait de la bonne bouffe quand même. Ah, donc les recherches. Donc ce qu'on va vouloir, c'est l'agriculture, assez rapidement. Et on est obligé de prendre l'architecture, qui va nous permettre de faire les poutres en bois pour pas que tout s'écroule dans nos galeries, par exemple. Et donc l'agriculture, voilà. Donc ça, c'est grâce au livre qu'on a. C'est quoi ça? Oui, ça c'est mon chat. On va pas le tuer, mon chat. Voilà, on a les petites poutres qui vont permettre de consolider là, ici, par exemple. Ça, voilà. Je mets dans ce sens-là, on voit rien. Là, ce qui permettra de consolider le truc, sauf que mon bâtiment est trop petit, donc il n'y a pas l'intérêt pour l'instant. Ça sera utile quand on fera les étages, par exemple. Et surtout, voilà. L'agriculture. Donc on va pouvoir planter. Donc qu'est-ce qu'on a en graines? On a des graines de choux, et on a des graines de lin. Le lin, ça va pas nous donner grand-chose. Là, on a de l'orge. C'est intéressant. Petite sauvegarde auto. Les choux, ça va être intéressant à les planter. Surtout, ça serait bien de les planter avant qu'ils se dégradent trop. On prévoit deux types de champs. Oui, pour les maladies, je crois que c'est ça. Hein. Il vaut mieux deux types de champs. Par contre, le problème, c'est que pour l'instant, j'ai que des graines de choux. Une pour l'école, et une pour les graines. Ah oui, oui, je vois. Oui, c'est vrai que c'est comme ça, t'as raison. T'as bien fait de me le rappeler.
C'est vrai que dans ce jeu, faut choisir la date de la récolte. Donc j'ai 35 graines, donc si je fais 18 et 18, ça serait pas mal. Ah. Bah non. Je voulais pas qu'un seul. Par contre, pourquoi là, il veut pas lui ici? Ça m'embête, ça. Terrain approprié uniquement. C'est chiant, ça. Il était joli, mon terrain, pourtant. Bon, tant pis. On va le faire ici. Ouais, c'est un sol calcaire. Chiant. Donc là, oui, il faut choisir la date de la récolte. Donc soit on récolte pas, donc ça produit rien. Soit on récolte quand c'est en croissance, donc on récolte un tout petit peu, mais rapidement, mais aucune graine. Soit on récolte quand c'est mature, donc on récolte plus de nourriture et un tout petit peu de graines. Soit on attend plus tard pour avoir plus de graines mais moins de nourriture. Ou soit on veut que des graines. Donc après la floraison pour vraiment récupérer que des graines. Donc on va mettre un champ en mature, celui-là, pour récupérer plein de choux. On va récupérer un tout petit peu de graines, donc ça va aller. Et l'autre, est-ce qu'on fait que des graines? Parce qu'en nombre de jours, on passe de 5 à 8 jours. On va faire que des graines. Celui-là sera prioritaire. On va essayer de récolter pas mal de graines. Mais oui, t'as raison, c'est le sol calcaire, oui. On voit pas trop bien parce que y a qu'une seule pixel. Mais on voit en bas à gauche, c'est écrit sol rocheux. Alors que là, c'est terre 100%, donc c'est pour ça que ça pousse pas. Donc voilà. Ah, ils ont bientôt fini le stockage. Pour l'instant, on a mis à stocker quasiment tout. On retire les livres parce que les livres, je veux qu'ils soient stockés ici, là où il y a mon bureau de recherche. En parlant de ça, il faudrait que je fasse un sol ici aussi. Me mettre en branchage, hein, c'est pas. Pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup beaucoup de ressources pour se permettre de faire autre chose, de gaspiller. Mes priorités, je crois qu'il va falloir que je retire un constructeur. Niveau 6, niveau 10. Donc lui, on va le mettre priorité 2. Parce que après, ils vont tous vouloir construire et le reste va pas avancer. Donc, croissance, ils le font tous. Croissance, c'est pour semer et entretenir. Faudrait pas que je laisse tout le monde. Parce que lui, il faudrait vraiment qu'il s'occupe de l'extraction et de la coupe des plantes pour que j'aie des arbres. Voilà. On va mettre comme ça. Parce que pour l'instant, le problème, c'est qu'on a très peu de. On a très peu de gens. Donc, faut pas les. Mais seulement les meilleurs pour la récolte? Bah oui, 20. Oui, c'est vrai. On va me mettre en deuxième quand même. Parce que j'ai tendance à faire des gros champs énormes. Donc si je fais trop de champs, un seul, il risque de pas y arriver. On va le laisser en niveau 1. Et on va le mettre niveau 3. Parce qu'il est quand même très bas. Oui, tu peux perdre des ressources quand ils sont bas niveau pour la récolte. Tu as raison. Pareil pour la construction, ils peuvent rater leur construction s'ils sont trop nuls. Pourquoi lui il continue de planter, il est idiot? Oh non, c'est bon, il va creuser. Le transport, ça va être très long. Voilà, construit. Lui, il est en train de creuser. Normalement, je sais plus s'il faut que je creuse d'un de plus. Non, il y aura 3 donc il pourra faire les. Non, il y aura que 2. Il pourra pas faire l'escalier. On verra plus tard de toute façon. Pour l'instant, comme je suis dans un endroit où il fait plutôt froid, j'ai pas l'impression que les ressources pour périment vite en 26 jours. Là, la chaleur a commencé à faire effet tout de même. Donc il va pas falloir que je traîne. Après, je sais pas comment ils ont modifié la péremption.
la gestion de la température. Avant, il fallait faire des fenêtres partout pour que ça refroidisse. L'inventaire de priorité est en fonction du nombre. Mais si du gauche à droite. Oui, je sais. Oui. C'est vrai que t'as raison, il faudrait que je le rappelle pour les gens qui ne savent pas. C'est que oui, c'est les priorités, c'est le nombre le plus bas. Donc 1, c'est le plus bas. Et je crois que c'est 5 le plus haut. Ouais, 5 le plus haut. Et puis, quand il n'y a rien, bah, ils ne feront pas ce métier. Et c'est de gauche à droite. Donc ils seront d'abord patients avant de soigner. Donc, ça veut dire que si Sigmund, il y a quelqu'un de blessé dans la colonie, il va le soigner. Mais si lui-même est blessé, il va plutôt lui-même se soigner avant, enfin, ou aller dans un lit pour attendre un traitement, avant de soigner les autres. Donc c'est important de gérer l'ordre de gauche à droite pour les priorités des métiers. Autrement, bah, ils feront jamais rien. Par exemple, là, il y a très peu de chances qu'ils fassent le boulot d'intendant. Parce que bah, c'est très loin. Mais il y a plus de chances qu'ils fassent intendant que fabrication, parce que c'est ordre 3. Donc pour les ordres, en fait, à chaque fois, ils vont faire... On fait ordre 1, de gauche à droite, donc patient, soigné, etc. Jusqu'à transport. Ensuite, ils vont revenir au début et vont faire... On fait les ordres 2, si jamais il n'y avait aucun ordre 1. Donc ils feront, voilà, là, par exemple, la chasse, puis la construction, puis la croissance... ainsi de suite jusqu'à 5. Mais ça, c'est s'ils n'ont pas de travail dans les ordres 1. Donc en général, ça arrive peu. Ah oui, elle est là, les ressources. Est-ce que je peux en avoir plus? Non, c'est juste les ressources qui sont stockées ici. Donc là, la dégradation, pour l'instant, il pleut pas. Donc il n'y a pas encore de dégradation due à la pluie. Mais ça ne saurait tarder. Donc on va faire... un toit. Ah tiens, ça consomme moins de foin si je le fais dans ce sens-là. On va faire dans ce sens-là. Donc là, ils ont planté. Donc ça va pousser lentement. Mais ça c'est bien. On a lancé le processus. Il ne reste plus que deux graines de chou, donc ça va. Elle est pas contente. Pourquoi elle est pas contente? Activité religieuse manquante. Bah attends, on vient d'établir la colonie, on verra plus tard. Hein. C'est à peine s'ils ont à manger, ils pensent déjà à prier. Plus tard. Eux, est-ce qu'ils mangent? Je sais pas s'ils peuvent manger si je leur fais pas une auge. Donc, on va leur mettre une petite auge ici. Après, on pourra faire un enclos et tout, mais pour l'instant, on a d'autres priorités en termes de ressources. Voilà, elle s'abûcheronne. Tiens, elle a dessus. Il lui manque tant de travaux que ça qu'elle peut se permettre de bûcheronner. On remarque l'élevage d'animaux, il n'y en a quasiment pas à faire. La croissance, pareil. Les animaux, tiens, en parlant de ça. Non, c'est ouf. Où est-ce que je peux voir mes animaux? Cliquez dessus, c'est tout. Dresser, libérer. Bon, là, c'est un mâle, donc j'aurais peut-être pas de lait, mais la femelle. Ce PA? Ouais. Oui, c'est vrai, je peux le voir là, oui. T'as raison. Là, on va lui dire de tuer la vermine. Je crois que c'est elle qui est très fort en dressage. Je peux les abattre, mais on s'en fout. Les dresser. Je sais pas si les chèvres ça peut me donner grand chose. Ouais, ça mange de tout et ça fait du lait. Ouais. Ça peut être trop important pour l'instant. Bon voilà, là normalement ça devrait plus périmer beaucoup. Là pour l'instant la nourriture est ici et il fait. Il fait assez chaud, donc il fait 5 degrés, donc ça commence à pourrir quand même, mais lentement. Donc ça va aller pour l'instant. Mais les viandes, il faut les abattre. Donc pour l'instant, on va se contenter du lait, quoi. Et oui, quand ils feront des petits, on verra pour organiser un abattage. Là, visiblement, ils n'ont pas accès. Ouais, non, ils n'ont pas accès. Donc il va falloir que je gère différemment. Il va falloir que je creuse plus loin. Ah.
Malheureusement. Oui. Donc on va voir comme ça. Bon, ensuite, un de ces jours, il va falloir s'occuper de la défense, mais là, on est assez tôt. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'attaques pour l'instant. Après, je sais pas comment ils vont faire les méchants avec l'eau. Je sais pas s'ils peuvent vraiment rentrer dans l'eau ou si c'est un sol, ou c'est infranchissable. Là, c'est qualifié comme eau profonde. Alors, je sais pas trop. Plus, il y a des différences de hauteur, alors ça va être bien chiant pour eux s'ils veulent passer. Ouais, ils peuvent nager, ouais, c'est ce que je pensais. C'est pas infranchissable. Et ça doit les ralentir. Ouais, vitesse de traversée, on voit 51% là en bas. En bas à gauche, on voit les vitesses. 51% dans l'eau, alors que normalement c'est 85%. Donc oui, ils pourront passer. Et plutôt, elle est renard aussi. Oui. Le renard chenapan. Est-ce qu'il y a des animaux dans le coin qui peuvent être abattus sans trop de risques? Bah tiens. Qu'est-ce que ça fait là, lui? Une carcasse de cerf, tranquillon. Transport urgent. Allez me chercher ce cadavre de cerf. Du coup, comme on a trouvé un cadavre de cerf, il va nous falloir de quoi le dépecer, faire de la viande. Donc il nous faut une petite table des dépeçages. Voilà. Ça, la destruction, normalement, maintenant, il a accès, l'autre idiot. Est-ce qu'il peut? Non, il peut pas, il faut qu'il s'accroche aussi, au-dessus. Ma vie, c'est de la merde. C'est chiant, ça. Je pensais que j'avais pas besoin de tout détruire comme ça. Donc, il va falloir que j'agrandisse après pour pas que. Pour pouvoir fermer comme il faut. Voilà. Construit la petite table. Où est-ce qu'il l'a mis le cadavre? Ils sont pas allés le chercher? Ah oui, lui, il le transporte. Le long est surchargé. Oui. C'est lourd, un cerf. Les repas, ils sont là pour l'instant. Ça me plaît pas trop qu'ils soient là. Ils peuvent pas les transporter urgemment. Pareil pour les trousses de soins. La bière aussi. Ouais, périme jamais, elle s'en fout. Graines de chou. Graines de chou aussi. Ah, c'est à côté, donc les trajets vont être rapides, donc ça va pas être gênant du tout. Les heures de travail. Non, c'est pas là, c'est calendrier. Donc pour l'instant, ils dorment de 23h à 6h. Je leur ai dit de faire n'importe quoi. Normalement, ça veut dire que s'ils ont besoin de loisirs, ils vont faire un peu de loisirs. Et s'ils n'ont pas besoin, ils vont travailler. On peut laisser comme ça pour l'instant. Donc ils travaillent plutôt bien. Il n'y a pas trop de feignants, donc ça va. Tiens, ça récolte ici. Pourquoi ils n'ont pas transporté ça à l'intérieur, que ça pourrisse pas. Là, on voit que oui, là ça se décompose pas, donc c'est beaucoup mieux. Ça se décompose un tout petit peu. Donc, on va tout le temps buter les. Enfin, dépecer les animaux. Là, il a accès lui? Ah oui, il a accès. Pour détruire le dernier pixel. J'espère que ça va pas lui tomber sur la gueule. Normalement, non. Ça devrait le faire. Le chat. Qu'est-ce qu'il fait le chat? Mon loge est pleine, donc c'est bon. Mes chèvres, ils vont se nourrir. On va mettre en avance rapide, parce que là, il n'y a plus grand-chose à faire tant qu'ils n'ont pas construit tout ça, enfin détruit. On va aménager. Là, j'ai du bois d'avance, donc on va pouvoir le faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrandir comme ça. Ça sera à l'intérieur.
tout cas pas libre d'accès pour les envahisseurs. Après, je sais pas par où ils vont passer, les envahisseurs. Ils peuvent arriver de tous les côtés, en fait, ils arrivent en bord de map. Donc après, faut qu'ils trouvent des passages avec des chemins comme ça pour pouvoir descendre à mon niveau et rejoindre ma base. Par exemple, ils peuvent passer ici, dans ce coin-là. Parce qu'il y a trop de passages dans le coin. Non, ici aussi. On verra pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas encore. Je crains pas encore trop la première attaque. Elle devrait pas être vénère. Là, on peut faire un autre escalier. C'est quoi le niveau minimum? Ouais, c'est encore loin. Là, si je creuse ici, ça devrait être bon. On va creuser. Là, j'aurais pu être trop profond. Là, c'est un espace perdu pour l'instant. On me verra après pour le fermer. Parce que le truc, c'est qu'il y a le toit au-dessus et ça va être chiant de le faire. Va falloir le refaire, quoi. C'est pas prioritaire. Pour notre stockage de nourriture au frais. Pour l'instant, on va se contenter de celui-là. On mettra une porte plus bas et tout. Tiens, ça se décompose. C'est con parce que c'est des ressources assez avancées, ça. Les pièces mécaniques. Plus tardives dans le jeu. Là, j'ai vu qu'il a fait des recherches, l'autre. Peut-être pas encore la priorité, hein, les recherches. Pourtant, c'est loin dans les trucs. C'est-à-dire qu'elle a vraiment rien d'autre à faire que ça. Surprenant. On va laisser pour l'instant. J'ai pas trop de construction à faire. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est une tour dans le coin, une petite tour de un étage pour se mettre en hauteur et que mes deux archers puissent allumer les ennemis de loin. Ils mangent du cru, comment ça? J'ai des repas. Ils sont idiots. C'est le régime alimentaire. C'est où le régime alimentaire? Ah, tout. Ils sont idiots. Pourquoi ils mangent le cru en priorité, ces idiots? Faut vraiment leur interdire de manger du cru pour qu'ils mangent pas du cru. C'est chiant. Manger des repas. J'en ai des repas. Bien vu, j'avais pas fait gaffe. C'est un peu con, je pensais qu'en priorité ils mangeaient les repas et que s'il y avait plus de repas, ils mangeaient les trucs crus. Pas qu'ils étaient idiots bêtes. Oula! Ça fait combien là-dedans? 6 degrés! Ouais, ça se décompose pas mal, hein. Comment je pourrais faire? Parce que si je fais une fenêtre. Les fenêtres. Isolation thermique. Prendre la ressource la plus proche. Oh, c'est des idiots! Ouais, je pensais qu'ils prenaient. Enfin, je pensais qu'ils avaient un cerveau, quoi. J'ai fait une erreur, quoi. Ouais, là, il peut détruire le dernier. Il peut même détruire un de plus. Là, on commence à être. Non, on est encore trop haut. Oui, là, il n'y a plus de nourriture à faire. Ça, ils ont assez de repas pour l'instant. La culture, c'est en train de pousser. Oui, ceux-là, ils n'ont pas assez de lumière. Il n'y avait pas ça avant, je crois, la gestion de lumière. Ouais, ceux-là, ils sont trop proches des bâtiments. La première ligne est trop proche des bâtiments pour qu'ils puissent pousser à pleine vitesse. On va faire avec, hein.
Après, ce qu'on pourra faire, c'est le décaler de 1, mais c'est une surprise. Il n'y avait pas ça avant. Là, on peut commencer à refaire encore un étage. Oh, mais non, mais pas ça. La jauge se remplit pendant la phase de croissance. Oui, cette jauge-là. Oui, la quantité de lumière accumulée. Oui. Et là, on voit ici la quantité de lumière qu'ils prennent. Et il y a des moments de la journée où les bâtiments les couvrent, tu vois. Oui. Oui, plus ils ont eu de lumière, plus ils produiront de ressources. D'accord. Merci des infos. Ça paraît logique. Je pensais pas qu'ils avaient fait ça. Ils sont amis. Super. Super, super. Là, il l'a fait, oui. Est-ce qu'il a encore du bûcheronnage à faire? Non. On va leur dire bûcheronner un petit peu. Voilà. Couper quelques arbres. Ensuite, la cueillette. Là, ça on peut cueillir. Là, c'est pas prêt, ça. Ça, c'est prêt. On va recueillir les champignons. Il y a quelques trucs intéressants. Le stockage, ça se remplit bien. Oh là là, ça... Ah, super! Non mais elle est nulle, elle! Coupe de plantes. Son niveau, c'est 20. C'est énorme! Et elle a réussi à rater. La coupe d'un arbre mort. Et du coup, elle a perdu toutes les ressources. On est content. Terrible nouvelle. Bon, c'est pas, on s'en fout, hein. C'est qu'un arbre mort, mais c'est chiant, quoi. Les arbres morts, il me semble que ça produit moins de bois. Et plus de branchages? Non, même pas. C'est juste que ça produit plus de graines. C'est vraiment de la merde. Vaut mieux les couper avant qu'ils atteignent ce stade. Ah, des herbes. Ça, c'est bien parce que je crois que ça donne Ouais, c'est de la médecine. Donc ça, c'est capital. Oui, pour les arbres à replanter, oui, j'y réfléchissais. Mais je sais pas encore trop où la mettre. Si je la mets derrière ou si je la mets devant. Médecine et bière, oui, les bières aussi, ouais. Mais bon, je t'avoue que les bières, moi, c'est pas la priorité. S'ils en ont pas, ça sera de leur faute. Hein. Alors, les arbres, je crois qu'il leur faut plus de place pour pousser. Hein. Il leur faut pas. Enfin, c'est 1 sur 2, quoi. Un truc comme ça. Je crois pas qu'ils plantent densément, je sais plus. On va se mettre ici, on va mettre 10 carrés de 9, on a un carré de 9, et là un carré de 9, voilà. Non, ce carré de 9 on le virait parce que c'est pas intéressant vu qu'on est en train de tout détruire. Donc ça non, notre carré de 9 on va le mettre après. Si ça va si ça va pousser grand chose. Je pense à un quadrillage en échiquier. Je veux dire un 1 sur 2. Enfin, en croix. Mais de toute façon, il faut que je le fasse dense parce qu'après, ça va pas être relié et ça va être chiant. S'il faut que je gère chaque truc ou pas, c'est chiant. Ah, tiens, il n'y a pas de. Y a pas d'époque où je produirais plus de graines d'arbres. C'est surprenant ça. J'ai pas besoin vraiment de le faire. Ouais, ça pousse à 1 sur 1. À chaque case, ça pousse. Il semblait que c'était 1 sur 2. Ce que tu voulais dire par le grenage en échiquier. Tu voulais que je laisse des passages entre chaque truc? Attention à la paralysie.
d'encombrement dans les chemins, tu veux dire. Que là, il se déplace moins vite quand il y a un arbre que quand il n'y a pas d'arbre. Moins qu'il y a une maladie qui s'appelle paralysie, mais ça, à ce moment-là, dans l'onifère, bon. Je ne suis pas encore là, en tout cas. Oui, ça a l'air d'y aller. Il ne faut pas d'arbres autour. Ah, donc fallait bien un sur deux, en fait. Et là, en fait, il plante, mais ça va pas pousser. Ça va rester petit. Donc c'est juste ils sont cons. C'est ultra chiant. Et une case en diagonale ou une case tout court? Que en horizontale, verticale ou en diagonale aussi? Là, ça veut dire... Ouais, mais tu vois, c'est ultra chiant. Ça détruit... En fait, il faut que je fasse plein de petites zones, en fait. Je fasse ça, quoi. C'est trop chiant. Comme tu le sens. Bah, normalement, c'est pas comme je le sens. Si je fais ça, là, tout va pousser? Ou pas? Voilà. Oui, d'accord. D'accord, donc faut faire comme ça. Il me semblait bien que ça poussait comme ça, mais je croyais qu'ils plantaient eux-mêmes automatiquement que 1 sur 2. Et fait des lignes. La gueule, toi. Alors, je vois ce que tu veux dire. Tu veux que je fasse des lignes pour qu'il y ait un chemin où il n'y a rien. Comme ça, je pourrais mettre des routes pour qu'ils aillent plus vite, oui. Faire des trucs comme ça. C'est pas opti. Ah, puis là, ils pourront pas pousser parce que là, il y en a un à côté. Donc, c'est nul, mon truc. Oh, y'a rien qui va. Y'a rien qui va, madame. Je peux pas tout annuler? Non, c'est pas possible. Faut les détruire. C'est considéré comme détruire, c'est ça? Non, même pas. Si je fais supre. Bon. C'est chiant ça. Bon. On va tout refaire en manuel. Alors. Donc. Les boulots. On va en planter un. Là, ils en ont planté trop aussi. C'est nul. Bon, on va détruire celui-là. On va planter là. On va planter ici. Moi j'ai envie de faire un comme ça et un comme ça. Comme ça, là je peux faire un chemin ici et un chemin ici. Et je perds moins de place. Là, si je fais ça, tout va pousser. J'espère. Comme ça, je peux faire ça, ça et ça. Normalement, là tout va pousser. Là. Si je fais... Toi, si je fais ça, ça va pousser normalement. Par contre, celui-là, je le trouve trop proche de... des bâtiments, ça ne devrait... ça va pas. Et les chaînes, j'en ai pas fait assez, je crois. On va mettre un de plus. Voilà. Comment ça? Je croyais que ça fait produire plein de graines, mais non. On va tester comme ça. Ça devrait être intéressant. Ensuite... Là, lui, continue de faire à manger. Ça devrait pas tarder.
Dans un jour, enfin 2 jours, parce qu'un jour est 23 heures, on est plus proche de 2 jours qu'un jour. Là, il y a du blé. On va le récolter. Blé. En souterrain, est-ce que ça a avancé? Oui. Faut que je détruise encore ce pixel et je pourrais faire l'escalier. Ils ont bientôt fini de planter. Là, il y a un arbre qui gêne. Donc on va le couper. Et comme ça, on devrait pas être trop mal. Là, c'est un autre érable. Mais non, c'est pas dans le bon quadrillage. Recherche disponible, oui. Mais c'est le mobilier, ça m'intéresse pas. La fermentation, qu'est-ce que ça donne? Ouais, pour faire l'alcool. On verra plus tard, ça pour l'instant, ça peut pas trop être la priorité. Des lits d'infirmerie, comment ça? Ah, les lits simples, ça serait pas mal. Qu'ils puissent dormir un peu mieux. Parce que pour l'instant, j'ai pas trop de priorité. Il y aurait les armes, mais bon, mais... Il n'est pas assez, je trouve, pour avoir quelqu'un qui fasse les armes. On va faire ça. Le mobilier. Donc ça nous donne des petites étagères de rangement pour ranger les livres ici. Ça va faire gagner de la place, mais bon, ça sera plus tard. Et ça nous donne surtout des petits lits. Ah, un voyageur solitaire, un marchand ambulant. Donc il y a voilà, des petites rencontres aléatoires. Lui, il va venir pour nous vendre des conneries. Je sais pas si on peut lui parler... Ou s'il faut construire le bâtiment pour le marchandage. C'est qui mon marchand? Celui qui a les meilleures compétences en... J'en trouve plus. Là, non, pas du tout. Compétences, voilà. En... c'est où le discours. 12, c'est lui. Va parler à Lily là. Je sais pas si elle vient ou si elle fait que passer. Dans le doute, je préfère aller la rejoindre. J'ai l'impression qu'elle venait quand même. Par contre, c'est intéressant de voir le passage qu'elle prend. Alors, qu'est-ce qu'elle propose? La bière. Non, ça c'est ce qu'est à moi. Qu'à droite c'est à moi, à gauche c'est le marchand. Lui vendre du cuir de cerf. Là, des betteraves, des choux, des carottes. Les carottes et les betteraves, ça serait intéressant d'avoir des cultures différentes. Voilà, on va prendre ça. On va voir ce qu'on peut lui donner en échange. On va lui donner des arbres, mais oh, les pommiers. Les pommiers, c'est bien, ça fait des pommes. Manger des pommes. De l'orge, on s'en moque. Les pièges, on s'en moque. Les tartes, c'est pareil, on s'en fout. On va lui donner un petit peu de tissu. Voilà. Oui. Transport prioritaire de ces trucs-là. Vas-y, transporte en priorité, toi. J'aurais dû attendre qu'ils viennent plus proche, mais j'avais peur qu'elle vienne pas. Parce que des moments dans Rimworld, ils font que passer. Et donc ça, là, je me souvenais plus s'il s'arrêtait ou pas. Elle a fait des recherches, c'est chiant. Là, je peux mettre mon escalier suivant. Voilà. On ne devrait pas être loin d'un étage correct pour faire un... Notre stockage. Notre stockage de nourriture. Est-ce que... Ah, c'est bon, ils ont récupéré tout. Donc, on va pouvoir planter notre pommier. Il est où le pommier? Pommier. Alors, le pommier, on va remettre... On va décaler. On va mettre le bien là, comme ça il sera bien au milieu. Alors, comment ça va faire ça? Est-ce que ça meurt?
Sans fruits, ça veut dire quand il produit plus de fruits, on va dire, hein. On va espérer en tout cas. Non. J'ai des doutes là-dessus. Hein. On a planté. Non, c'était pas ça. C'était. On a quelques carottes et des betteraves. Donc on va les planter aussi. On va laisser un petit chemin entre les deux. On a 6 graines. On va faire ça et ça. Là, on va juste récupérer des carottes. Alors que là, on va récupérer un max de graines. Et à côté, on va faire pareil que les betteraves. J'ai glissé chef. Voilà, je fais les trois. La mature et voilà. On va avoir des graines. Comme ça, on va avoir des cultures un petit peu différentes. Plus de variété dans les nourritures. Là, ils refont dodo. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? On va continuer de squatter chez nous. Hein? Je la vois, elle vient de me voler des ressources là. Oh, les squatteurs, quoi. Bon. Il y a encore des étages inférieurs, mais je pense qu'on va s'arrêter ici. Hein. Pour l'instant, en tout cas, on va faire un petit réservoir de nourriture à cet étage-là. On verra après si on recreuse plus profond pour tomber sur le balrog ou pas. N'importe quoi. Les nains ont creusé trop profondément et avec trop d'habileté. Des petits pins sylvestres. Allez. Le général sylvestre des guignols. Va couper les bois pourris. C'est pas beau. C'est pas beau et puis de toute façon ils vont crever. Forteresse enterrée. C'est vrai que c'est possible de faire une forteresse enterrée, mais le problème c'est que pour la défendre, bah faut miser quasiment que sur les pièges parce que les archers ils vont rien faire. Je préfère avoir des tours et avoir des grosses murailles partout et que mes archers fassent tout le boulot en fait. Et puis la forteresse enterrée, en plus, je ne sais pas comment ça va marcher avec les engins de siège ennemis. Est-ce que ils s'en foutent et ils détruisent tout? Ou est-ce que c'est la merde? Et prévoir une pièce de 2 de hauteur. Ah oui, tu peux faire un. Oui, je vois ce que tu veux dire. Faire une sorte de goulot d'entablement avec un truc supérieur comme ça. Ouais, un couloir. Ouais, couloir avec des fenêtres, c'est possible aussi. Mais là, pour l'instant, on verra plus tard. Hein. Je dis pas non. Mais là, on va. Là, pour l'instant, la priorité, c'est d'avoir un stockage pour nos ressources. Ce que j'ai envie de faire, c'est de faire une entrée ici et de faire là un stockage comme ça. Peut-être pareil en face. Non, pour l'instant on va faire que d'un côté parce que là après ça leur fait du boulot en plus. Et ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Après je sais pas s'ils vont pas. Le problème aussi de ça, de faire une forteresse enterrée, c'est est-ce qu'ils vont pas tuer tous mes animaux plus tard, si j'ai un élevage? Est-ce qu'ils vont pas commencer par tuer les animaux et tout, avant de venir s'engouffrer dans la forteresse enterrée? Ou alors il faut que je fasse une forteresse qui soit obligée de passer dans la forteresse avant de rentrer dans l'intérieur de mon domaine. Typiquement, là je ferai ici une crevasse tout autour. Avec un chemin enterré, et puis voilà. Non seulement les bâtiments. Ouais. C'est un projet long-termiste, j'ai envie de dire.
La forteresse enterrée. Pour l'instant, je pense que je suis pas encore. Qu'est-ce qui est une bonne isolation thermique? C'est vraiment n'importe quoi. L'isolation thermique d'une porte pleine, c'est autant que la porte de grange. Je comprends pas, moi. Bref, on va fermer là. Et ici, on va faire une réserve de charge. Réserve de guerre. Ah d'accord. C'est nouveau ça. Bref. On va faire ça. Par contre, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer le milieu. On va mettre stockage prioritaire. On va stocker la nourriture. Et voilà. Donc là, normalement, on devrait avoir une température assez basse. Ouais, c'est pas encore ça. Il va nous falloir un sol. Alors, je me souviens plus s'il faut une isolation thermique basse ou au contraire une isolation thermique élevée pour que ça fasse plus froid. Nourriture sur des étagères. Oui, après, je le ferai après. Mais là, je... Isolation thermique, est-ce qu'il faut basse? Je sais plus. Protège contre la grêle. Je sais plus s'il faut une isolation thermique. J'ai pu commencer à gérer le jeu. Je crois qu'il faut une isolation thermique faible. Parce que l'isolation thermique, en gros, ça, je crois que ça donne juste de la chaleur. Oui, plus la isole, je suis d'accord, mais je crois que c'est pas géré comme ça dans le jeu. Si je mets une isolation thermique faible, ça va me faire... Ça... Parce que logiquement, oui, ça sera... je laisserai passer le froid, donc ça sera mieux. Mais s'il fait plus chaud dehors, ça va laisser plus passer le chaud, donc ça sera moins bien. Et je sais plus comment c'est géré, je crois que c'est mal géré, alors c'est... Enfin c'est géré bizarrement en tout cas. Pas mal mais... Bizarrement. Je gagne quasi rien, ouais. Là, ça, on peut refaire une porte ici. Ouais, la distance par rapport à l'extérieur, ouais. Donc là, il va falloir que je ferme ici. Là, ce truc-là. Comment je vais fermer? Je pourrais mettre juste un sol. Il va me falloir un toit. Toit à l'arrache. Le problème, c'est que si je mets un toit comme ça... C'est avec l'autre toit que ça va me gêner. Parce que ça... C'est pas pratique, hein. Couche unique. Voilà. Surtout mettre un sas avant tes stockages. Oui, c'est ce que je pensais à faire, mais je sais pas à quelle hauteur je voulais le mettre. J'étais en train de réfléchir si je mettais des portes de grange. Il me semble que les portes de grange s'ouvrent plus rapidement. Ça a peut-être été corrigé, ça. Ouais, deux de terre, tu crois? Là, j'ai mis que un. Il me semble qu'avant, les portes de grange s'ouvraient plus vite. Mais ça a peut-être été fixe. Non, je sais pas. Est-ce qu'ils vont pouvoir tout isoler comme ça?
dégueulasse. Bon, là, on a toujours que 5 degrés, hein. C'est pas assez, hein. Mais tu vois, il fait plus froid ici que ici. Ça me trigger. Je comprends pas. Ça c'est plus profond. On aurait dû laisser deux de large, mais une fois que c'est détruit, c'est détruit. Hein. Ouais, moins 2, on va mettre les champs. Tu mets tes champs en... Tu mets tes champs en profondeur? Comment ça? Tu peux planter sous terre? Ah ouais, d'accord. Donc en fait, le besoin de lumière, on en a rien à foutre. Ça passe à travers le sol. Ah, tu fais un gros trou. Ah. Ouais, mais du coup, la chaleur, elle se barre. Enfin, il fait chaud, quoi, dans ton trou. Pas trop. En tout cas, là, je suis déçu. Il n'y a pas assez de... C'est pas assez froid. Faudra que je recreuse encore. C'est la déception. Bon. Recherche disponible. Les armes en bois. On va faire des arcs. Ce serait intéressant d'avoir des arcs. Mais est-ce que c'est ce qu'on va faire tout de suite? Conservation des aliments. Un fumoir, les étagères. Ça, c'est bien, les étagères. Oui, aussi, oui. Plus la pièce est grande, plus il fait froid. Ça, je savais. Le problème, c'est que comme je suis en souterrain, si je fais une pièce trop grande, va falloir que je mette des pylônes partout pour que... ou des poutres pour que ça se soutienne et que ça se casse pas la gueule. Cartographie, ça, on s'en fout complètement pour l'instant. Pas du tout la priorité. Piège, plus tard. On va prendre les étagères. Que normalement, plus on descend, plus il fait froid. C'est pour ça que moi je voulais descendre. Mais là, la température est vraiment pas. Il n'y a que 2 degrés de différence entre ici et mon stockage en dessous. C'est pas du tout assez pour avoir un stockage réfrigéré. Pas rentable, quoi. Petite récolte là. Petite récolte. Ouais. Il y a un beau petit champ là de groseille. Ça, toi, tu peux récolter. On va bûcheronner un petit peu aussi. Bûcheronner tout ça. Là, c'est quoi? De l'argile. Peu d'argile. On pourra récolter aussi, là aussi. Là, ça a l'air de pousser. Lui, il est un peu proche, donc il va pas pousser très grand. En bas, il a commencé à creuser. Qu'est-ce que j'ai là? Du lin. Les herbes potagères. Je crois c'est pas les herbes... J'ai les étagères, je pourrais en faire après. Le fumoir. Viande fumée, humaine, super. Poisson fumé. C'est vrai qu'il y a le poisson. N'oublie pas ta tour. Oui, c'est vrai que je voulais faire une tour défensive. Le fumoir aussi, j'aimerais bien le faire. Faire ici. Et oui, tu as raison, je voulais faire une petite tour. Alors, la question c'est où est-ce qu'on l'a fait?
Parce que là, ici, il y a un truc intéressant, c'est que je crois qu'il passe par ici. Attends. Tout à l'heure, ils étaient passés par où? Ils sont passés dans le coin. Je ne retrouve pas la montée. Au milieu du village? Oui, c'est possible. Donc, salut les détrousseurs. Semblant des démons au premier abord, Seol était tout simplement pris de terreur. Son corps pitoyable et maladif était couvert de plaies dues à des liens et des bleus, enfin de bleus au cou d'un maître cruel. Seol vous suppléa, cachez-moi et s'ils m'attrapent, ils me tueront. Super. Donc soit je le laisse et il vient pas, ou soit je l'accueille dans la colonie. Donc c'est un mec qui est fort en construction, enfin qui aime la construction mais qui est nul à Yesh, qui est vraiment nul. Il a 42 ans, il est fort en extraction, intéressant. Et botanique, il aime ça, mais on sait pas le niveau. Et il y a un archer et deux maraudeurs qui risquent de m'attaquer dans quelques jours si je l'accepte. Mais je pense qu'il faut que je l'accepte, parce qu'autrement, ça va être la merde. Il me faut des gens en plus, quoi. Donc, lui, les priorités, tu seras patient. Médecin, t'es pas trop mal, mais c'est pas ouf. Transport prioritaire. Construction, il est vraiment nul en construction. Il est bon en élevage, et il est bon en extraction. Donc ça, c'est déjà intéressant. La coupe, il est vraiment pas bon. Il est pas top, mais il aime ça. Cuisine, ça va. La forge, il est pas mal. Menuiserie, il est bon aussi. La recherche, il aime ça, mais il est nul. Ça sera pas trop mal comme ça. Ça va, c'est pas le gros nulard, quoi. Ça devrait le faire. Pas assez de lit, oui. Il va falloir un lit de plus. Joanne, est-ce qu'elle est forte en construction? Oui. Enfin, pas ouf, mais ça se va. Ça va. On va faire une petite tour. Alors, où est-ce qu'on va la faire? Le problème, c'est qu'ils vont. On va la faire par ici. Tant pis pour ce côté-là. Mais on aura comme ça un petit accès. Vu qu'il y a les échelles, on peut. Près de ton four. Là? Ah, tu veux que je fasse une tour qui peut protéger ça? Je pourrais en fait la mettre derrière. Là, ici. Faire une tour ici. Et. Ah oui, c'est vrai qu'ils vont sur les bâtiments extérieurs en priorité. Parce qu'en fait, ce qui m'embête, c'est que ça va couvrir la lumière, quoi. Ce que je peux faire aussi, c'est mettre la tour dans mon bâtiment directement. Typiquement, je la mets là, quoi. Me servir de ça comme d'une tour. Ça me ferait mon donjon. Le problème. C'est que là, ça c'est une zone très, très importante. Donc si je détruis le lit, ça risque d'être chiant. Peut-être plutôt la faire juste à côté. Là au truc de recherche. Je vais ici faire une petite tour. Comme ça. Je suis en train de m'interroger. Si je la fais juste devant comme ça, elle sera trop proche des entrées en fait. C'est ça qui m'embête. Il faut que je la fasse là. Ça a combien de portée un arc? Il est où l'arc? L'arc. Arc long. 18 mètres. Je vais dire 18 cases. C'est ça, 18 mètres. Je le fais ici, c'est bon. Une mini tour. On va faire une mini tour. Petite tour comme ça. Là. La tour de Clodo. Et comme ça, on va tester l'échelle. Voilà.
Je fais une tour comme ça, ça marche. Est-ce qu'on peut mettre une échelle sur une échelle? Tu as l'air quand même supprimé ton four au début de l'attaque. Non, comme ça, ça va les attirer, ils vont casser le four au pire. On peut mettre une échelle sur une échelle. Ah, ça, c'est intéressant. Ouais, mais ils n'auront pas la place pour construire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une tour qui s'agrandit au fur et à mesure. Enlarge your tower. Quoi cette merde? Est-ce que après, si je fais... Je vais faire ça. Ça suffit hein, de hauteur. Ouais mais c'est pas beau. Ouais allez, on va faire vraiment la tour de Clodo de début de game. On va être raisonnable en ressources. Après je ferai des barricades et des murailles partout, mais pour l'instant on va être raisonnable. Donc je fais ça, ce qui va leur permettre de tirer en étant à l'abri. Ça c'est pour la déco, c'est esthétique. Un poteau avec 9 en sol en bois. Ça passe pour la première attaque, ouais. Ouais ça avec les murailles, ça devrait suffire ça, non? J'ai pas besoin, je crois, de mettre un sol là-dessus. Non, c'est bon, ça considère comme sol. Ça devrait le faire, ça. Ma petite tour de Clodo. Il y avait un truc que je voulais faire aussi, c'est que j'ai vu que j'avais des herbes potagères. J'aimerais bien les planter. Voilà, les herbes. Des groseilles aussi. Il faudrait que j'en plante aussi. Donc les herbes potagères. On va mettre ça quand c'est mature, oui. De toute façon, ça donnera pas beaucoup plus de graines. Ah, il faut une haute compétence en botanique. Ah, il faut 25. Donc ouais, ça sera pas fait tout de suite. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Au moins, on l'a mise. Là, on va mettre des groseilles. C'est quoi ça? Un buisson de lierre. S'en fout. Ça, on va planter aussi des groseilles. Colon a besoin de blessures. Voilà, il va le soigner. Quelle blessure il a? La santé. Il y a une commotion légère et des lacérations mineures au bras. En combat, il est nul. Hein. Je sais pas s'il va nous servir beaucoup pendant la bataille. Recharge disponible. Non. Bah attendre pour la recharge disponible. Le souterrain va continuer à creuser. Là la température est toujours naze. Ils ont bientôt fini ma petite tour de garde. Il ne reste plus que ça à faire. Il a apporté les ressources, mais il construira demain. Là, l'autre Jackie, là. C'est bon, il dort. Ah, là, ça récolte les choux. Mon stockage, il est bientôt plein. Ça, c'est la tradition. Les stockages sont trop petits. Tous mes chèvres. Ah, ils sont là. Et puis mon chat, il s'est dit qu'il allait dormir en haut. Bon. Ce qu'il veut, remarque. Bientôt, il va falloir que je passe au vrai lit. Et après, il va falloir que je refasse des chambres. Est-ce qu'on peut déplacer dans le jeu? Je sais plus. Je crois que oui. Oui, on peut repositionner. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais construire les lits avant de les détruire. Voilà. Ça prend 3 de cases, c'est pour ça il veut pas, d'accord. On va construire cela, puis on fera après pour le dernier. 13 heures avant l'invasion. Oui, ils vont avoir le temps. Ils vont plus qu'avoir le temps de construire notre petite tour.
J'ai peur qu'elle soit un peu loin, mais bon, comme normalement ils vont attaquer ça en priorité, ils vont faire le tour, ça devrait aller. La viande fumée. Est-ce que j'ai beaucoup de viande qui est stockée ici? Non, pas beaucoup. Une, deux. On va pas faire de viande fumée pour l'instant. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va les équiper, mes glandules. Donc, vêtements blast lacés, je vais le mettre pour un qui est au corps à corps. Voilà. Et l'autre Jackie, je vais lui donner la lance. Parce qu'il a pas d'arme, il vaut mieux qu'il soit armé au cas où. Voilà. Comme ça, ils sont prêts à la bataille. Là, ça construit les lits. En bas, est-ce qu'il a... Oui, il a fini. Donc là, on peut mettre l'autre escalier. Voilà. Après, on va détruire 4. Les lits ont été faits, donc ça, on peut en détruire 3. Est-ce qu'il y a des niveaux? Non, c'est que dans Rimworld qu'il y a des niveaux de qualité d'objets. Y a pas dans celui-là. Lui, il est encore convalescent. Tant pis. Oui, ça c'est mon pommier. J'allais dire pourquoi j'ai planté un arbre à côté, mais non, c'est le pommier, c'est normal. Plus que 6 heures avant l'attaque. Ils vont attaquer de nuit. Ah non, juste avant la nuit. Mais ils vont arriver de nuit, certainement. En bas, il a plus qu'à creuser l'autre. Là, ça va planter les betteraves et les carottes. Ça nous faire des ressources. Le foin, ça prend beaucoup de place. Hein. Ça prend beaucoup de place, ça. Là, on est à 5,8 et là, on est... Ouais, 6, parce que la pièce est trop petite. Après, je pense qu'on va pas creuser beaucoup plus profondément. Parce que si je creuse trop... Enfin, remarque... qu'à un niveau du plus profond. Après, ça va être loin pour qu'ils aillent porter toutes les ressources. Ça qui est chiant. Pour le stockage. Je pense qu'on va s'arrêter au niveau que j'ai fait là. On va faire une salle de stockage ici. On va faire ça. On va même laisser... Pas du tout. C'est pas le bon étage, idiot bête. Là, on va laisser 3 pour être sûr. Oui. Donc là, les attaquants arrivent. Les extorqueurs violents. Pardon. La brute parla d'une voix douce mais menaçante. Séol m'appartient. Livrez-moi mon esclave ou vous souffrirez tous. Ces paroles étaient très sérieuses. Donc soit on le livre, et donc je perds mon colon et tout le monde va faire la gueule. Je baisse mon froc, soit je dis à la guerre et on va se défendre contre un archer et deux maraudeurs. Voilà, on prend les armes. On a refusé de leur céder. Donc ils arrivent par ici. On va retirer la pause 2 secondes pour voir de quel côté ils se dirigent. Ouais, donc pour l'instant c'est comme dans Rimworld, au début ils organisent leur attaque, entre guillemets, ils y patientent un petit peu, et puis au bout d'un moment, ils vont dire à l'attaque. Donc là, normalement, ils devraient passer par ici, venir par là, et ça va être la ligne droite. Donc, ma tour devrait être plutôt efficace. Donc, on va organiser nos troupes. Est-ce que je les enrôle tout de suite? On va les enrôler tout de suite, et on va dire à tout le monde d'aller sur la tour. En priorité... Donc les archers vont se mettre ici et ici. Puis les combattants, elle va se mettre ici et lui derrière. Pour parler les flèches. Même ce qu'on pourrait faire, c'est inverser ces deux-là pour que les flèches soient mieux. Il est où l'autre? Il arrive. Il devrait avoir le temps d'arriver. Le problème, c'est que lui, il a un bouclier, donc il va peut-être être chiant. Lui aussi, il a un bouclier. Ils ont tous des boucliers.
Un arc, oui. Donc voilà, là on a l'avantage de la hauteur. Et on a nos nuls qui vont pouvoir tirer. La portée est pas ouf. Hein. Je pense qu'à un moment il va falloir descendre. Avec ces deux là. Ah d'accord, ils tirent pas. Mais ça serait bien de tirer. Hein. Ils tirent pas en automatique ces idiots. D'accord, je suis obligé de sortir du coup. Ils envoient les flèches contre les murs, c'est ça? Rentrez! Fuyez! Non, finalement, retournez à l'attaque! Oula! Attaquez ce poltron! Fuyez! Non, battez-vous! Là, c'est la guerre. À la bataille. Victoire! On les a vaincus. Il n'y a pas eu de dégâts et John Kirk, c'était le meilleur. Bon là, on les a tués. Je crois qu'on peut pas capturer les prisonniers dans celui-là. Mais on va récupérer du matos. Voilà. On va démobiliser tout le monde. Et on va récupérer... le matériel. Par contre, le problème, c'est qu'on a des cadavres ici. Donc, soit on devient cannibale, que j'aime pas trop faire, soit on va les enterrer. On va faire des petites tombes. On va les mettre un petit peu plus loin. On va les mettre ici. Trois petites tombes. Et on récupère du matos. Grand bouclier médiocre. L'autre bouclier est peut-être mieux. Non, c'est la merde. Et un casque, intéressant. Pour ma guerrière. T'équipe-toi du casque. Une capuche. C'est pas ouf, ça, la capuche. Et des vêtements. Et un peu de matos. Lui, va t'équiper du petit bouclier, puis... les vêtements matelassés. Je sais plus s'il y a des... s'ils sont pas contents d'avoir du matos pourri. Ah bah non, c'est la lance ou le bouclier. On va garder la lance. Hein. Il y a un arc qui est pas trop mal. C'est plutôt bien. Tiens, un loup sauvage. J'aime bien les loups. On va essayer de l'apprivoiser. Lui, il est en train de se faire un petit festin avec le cadavre. Il vit sa meilleure vie. On a survécu, t'avais raison, Heimdall. La petite tour était suffisante et ils ont bel et bien attaqué le fumoir. Tout s'est passé comme prévu. Là, on va faire la salle ici. Le matériel, non, mais les habits, oui. D'accord, oui. Donc il faut pas... les habits, oui, mais... Le matériel, tu veux dire les armes ou est-ce que le casque aussi? Matériel de guerre. Là, lui, il a tout médiocre. Tout nul. Tout est nul. Vêtements hideux. Ah oui, il est pas content. Hein. Oui, il a vu des cadavres. Je sais pas comment il a vu. C'est quoi ça? Un putois. Des putois. Chassez les putois. Mort aux putois. Je sais pas comment il a vu. Quatre cadavres alors qu'il y avait trois morts, mais bon, c'est pas grave. On va dire que c'est une mode. Transport urgent. Transport urgent. Transport urgent. Faut enterrer les cadavres. Ça fait la mange ? Ah oui, mange. Transporte vers la réserve. Comment ça, vers la réserve? J'espère que pour lui, la réserve, c'est... pour le... armée armure, d'accord. Non mais... mais il est idiot! Il est idiot bête! Il va amener les carcasses d'humains! Mais non! L'enterrement, voilà, c'est l'enterrement. Faut faire des enterrements.
Enterrement. Et enterrement, allez, va enterrer tout ça. Ils sont idiots bêtes. Parce qu'ils allaient stocker dans mon stockage en bas les cadavres, comme ça à chaque fois qu'ils rentraient dans le stockage. Ah, un mort, mon dieu! Ça aurait été un peu chiant. Voilà. Stocker les cadavres. Ou un cerf. Je sais même pas si j'ai un chasseur digne de ce nom. La chasse. Ah oui, j'en ai un qui est en priorité quand même. Bon. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a bien avancé dans notre petite colonie. On a les bases, on va dire. Donc ça va nous permettre de continuer. La prochaine fois. Je pense que ce sera demain matin. On va sauvegarder, évidemment. Là. Et je vais arrêter là. Voilà. Bah, merci d'avoir été là. Je vous souhaite bon appétit puis une bonne journée. Et puis à la prochaine. À plus, Emdal. Des bisous à tous. Bye.